Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler de Punishing Raven. Avant cela, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça me fera énormément plaisir. Il y a une dizaine d'heures, enfin, il y a environ 12 heures de cela, ils nous ont annoncé que ils ont fait le top 10 des applications gratuites dans quelques régions dans le monde. Enfin. Dans le Play Store et dans l'App Store. Ils nous ont donné comme récompense 1000 tickets dans le portail premium. Je vous montre ça de suite. Dans ce portail-là, en fait, ils nous ont donné 1000 tickets, ce qui revient à 4 singles. Et ils nous ont donné également ceci. Alors, ils nous ont donné un petit chicken de profil. Bon, c'est pas ça, ça à la limite, on s'en fout. Mais c'est les 1000 tickets. Imaginez-vous qu'on est à peine à 3 jours de jeu, 2 jours de jeu, et ils nous ont déjà donné des récompenses. C'est vraiment pas mal. Imaginez quand le jeu aura des top rentables dans le monde entier. Pas, enfin, des top rentables. Ils feront des top 10 dans le monde entier, pas que dans certaines régions. Alors là, imaginez-vous. Des multi gratuites, de la bourse supplémentaire, de l'XP gratuit. Et ça, c'est vraiment très. Ça, c'est vraiment correct. Qui plus est, ils sont très actifs sur leurs réseaux sociaux. Ils sont pas inactifs. Ils répondent de temps en temps aux commentaires des joueurs. Du coup, c'est vraiment pas mal. Bon, pour ma part, pour le moment, je garde mes sous. Parce que pour le moment free to play, je vais voir ce que ça donne sur du long terme, sur 2 mois, 1 mois, 2 mois. Et si par la suite, si le jeu marche bien, vous savez que il est fort probable que il pourrait devenir un main game sur la chaîne. En attendant Jujutsu Kaisen et Pokémon Unite et Kimetsu no Yaiba qui est pour Kengeki Royal. Du coup, les gars. En soi, ceux qui ne sont pas trop fans de ce type de ce gameplay, de ce monde, de cet univers, les gars, réellement, ce jeu, il a vraiment un très bel avenir, réellement. Et réellement, essayez-le. C'est vrai que c'est dur à prendre en main au début parce que c'est pas du tout le même style de gameplay auquel vous avez joué auparavant, mais réellement. Vous jouez 1-2 heures et c'est bon. Et du coup, je compte faire quelques séries de vidéos sur ce jeu pendant les semaines à venir, comme je vous l'ai dit, pour les prochains d'ici les prochains jeux qui sortiront. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. Et bien soin de vous. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça fera énormément plaisir. Peace. Ciao.